à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. La grâce, la compassion et la paix de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous dans la vérité et l'amour. J'ai trouvé ces mots pour accueillir, saluer et ouvrir le culte sous la plume de l'auteur de la deuxième épître de Jean. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. Puisse cette grâce, cette compassion, cette paix habiter en nous, maintenant, nous diriger, nous conduire, nous aider à prier, à réfléchir, à célébrer. Je vous invite au recueillement et à la prière. Dieu, notre Père, toi qui nous montres en Jésus-Christ le chemin de la vie, nous t'en prions, ouvre-nous maintenant à tes lumières, à ton esprit. Dispose nos cœurs et nos intelligences à te recevoir. Permets que, du plus profond de nous-mêmes, s'élève notre oui. Le oui à ton action, le oui à tes directions, le oui à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et je vous invite à chanter le premier cantique affiché à ma gauche et devant vous, cantique numéro 15, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». À toi, mon Dieu, mon cœur monte.
et notre louange avec ces mots du psaume 145. Je ne vais pas le lire en entier, il est très long. Je m'arrêterai au milieu. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres, oui, te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Avant de poursuivre la liturgie de ce culte, j'aimerais faire une petite évocation historique, un peu personnelle et toute récente. Parmi les premières choses que j'ai pu voir ce matin en me réveillant, à côté de mon lit, sur le mur, une gravure ancienne d'avant 1800 et qui représente les ports, P-O-R-T-S, de Genève, le lac et le début du Rhône. Et cette vieille représentation, bien sûr, laisse voir la rive gauche de ce qui n'était pas la ville, parce que les eaux vives n'existaient pas comme quartier, il n'y avait pas de construction, quelques petites maisons, ça et là, des vignes jusqu'au bord de l'eau. Et oui. Et dans la petite sacristie qui se trouve derrière moi, je suis tombé tout à l'heure sur un dessin qui représente ce temple des eaux vives. Je ne sais quand, mais à une époque où il était environné de verdure, de grands arbres, de bosquets, eh bien je trouve cela très beau. Rappelons-nous que cela, on le trouve dans des documents au temple de Cologny, que jusqu'au milieu du XIXe siècle, les gens des eaux vives allaient au culte à Cologny. Avant,
Avant la construction de ce temple, il n'y avait pas de paroisse, il y avait des gens pour lesquels on construisait un lieu de culte. Quelle différence avec nos structures, nos découpages aujourd'hui. Et hier matin, samedi, 10h20, 10h15, j'observais quelques centaines de voiliers qui avaient pris le départ du Bol d'Or. Spectacle unique. Une fois par an, quelle merveille! Il semblerait qu'il y ait encore du monde à la surface du lac. Car cette année, c'est une édition sans beaucoup de vent. Tous ces navires, et ça, c'est dans le fil de la méditation que je vais vous proposer tout à l'heure. Tous ces navires, j'y pensais hier matin en voyant ce départ, eh bien, ils sont propulsés par le vent. Le vent, l'esprit. Et ils ne vont pas forcément dans le sens du vent. Ils vont dans tous les sens. Ils peuvent remonter auprès serré, c'est-à-dire aller contre le vent et ne pas être sous spinnaker tout le temps avec le vent derrière. Ceci est peut-être une métaphore importante pour nous et pour tout chrétien et pour l'Église. Comme ces navigateurs, eh bien, nous comptons sur le vent, nous comptons sur l'esprit, nous comptons sur des énergies qui viennent d'ailleurs que nous, mais qui sont en nous aussi. Et ce n'est pas forcément pour aller dans le sens du courant, mais c'est parfois pour être à contre-courant, pour résister, pour réfuter, pour protester. On peut être chrétien et savoir dire non à ce que l'on appelle les courants dominants, les modes. Je rappelle juste ce mot de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, je traduis par mode, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre compréhension. La transformation s'opère à l'intérieur. Et il y a une transformation. Elle nous sera indiquée avec la lecture que Françoise Gau voudra bien faire dans un petit instant. Et vous avez sur les feuillets la représentation de... Alors je ne sais plus le nom du peintre flamand que j'ai trouvé grâce aux ressources Internet. Ce n'est pas du Rembrandt, mais un contemporain et un proche de Rembrandt qui a représenté un entretien nocturne entre Nicodème et Jésus. Ce sera au centre de ce culte. Et maintenant, le rappel
le rappel de, finalement, de notre fragilité que nous présentons devant Dieu, mais aussi d'une parole qui nous stimule, qui nous oriente. Et j'ai pensé à ces mots du prophète Michée, qui pour moi résonnent de façon tout à fait contemporaine. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que le respect du droit, l'amour et la fidélité, la vigilance dans ta marche avec Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, de la transmission. On t'a fait connaître, tu as entendu, nous avons entendu, et nous avons entendu des paroles de vie. Nous avons entendu, choisis la vie et tu vivras. Nous avons entendu, je t'aime d'un amour infini. Nous avons entendu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Nous avons entendu, ô notre Dieu, tant de paroles, tant de bénédictions, tant de rappels de ta grâce. Renouvelle en nous, aujourd'hui et maintenant, tes bienfaits et viens nous nourrir de ta parole. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 390, les strophes 1, 2 et 3. Seigneur suprême, Dieu toujours le même, daigne entendre ceux qui t'aiment. L'ange au ciel t'adresse son chant d'allégresse pour te célébrer sans cesse. Nous aussi, nous voici.
Évangile de Jean. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. » En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ô Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Il y a fort longtemps, une émission de télévision où l'on donnait la parole au théologien catholique Hans Küng. Alors un bon lucernois qui ruait dans les brancards de son institution ecclésiale. Et fin de l'entretien,
quelle serait la parole décisive, finale, unique, que vous écririez sur un petit papier grand comme un timbre-poste. Et Hans Küng a cité cette phrase de Jean: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce fut un beau témoignage et un grand moment. Un grand moment de télévision. Revenons à Nicodème et cette rencontre étonnante qui se fait de nuit. Au premier siècle de notre ère, la nuit, on dort. Et on dort lorsqu'il n'y a plus de clarté. Et voici cette chose improbable que Jean nous signale. Il y avait parmi les pharisiens, littéralement, parmi les chefs des pharisiens, donc les notables les plus prestigieux, les plus en vue, Monsieur Nicodème, qui vient de nuit trouver Jésus. Quelle espèce de question, de tourment peut-être, d'agitation de la pensée, de l'âme, de l'esprit, pour empêcher cet homme de dormir, pour le faire sortir. Il n'y avait pas d'éclairage public la nuit. Il connaissait bien Jérusalem. Et il trouve Jésus. Et lui fait une espèce d'hommage. Nous savons, c'est un nous de majesté, mais qui inclut probablement bien d'autres personnes, que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Littéralement, un didaskalos, c'est-à-dire un enseignant. Car personne ne peut opérer les signes que tu fais. Dans de vieilles traductions second 1910, par exemple, il est question de miracles. Mais littéralement, c'est signe. Nul ne peut faire cela si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Nicodème a entendu parler ou a été témoin de moments intenses. Était-ce les noces de Cana? Est-ce qu'il était parmi les invités, parmi les témoins, ou bien est-ce qu'on lui avait raconté des choses? Eh bien, je ne sais pas. Et nous ne savons pas. Il n'y a pas de réponse. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'il n'est pas resté dans sa chambre avec la petite locomotive qui tourne et puis qui le tarabuste, mais il est sorti pour aller poser les bonnes questions. Et en fait, c'est une espèce de compliment qu'il adresse à Jésus, qui est encore relativement inconnu. Nous sommes au troisième chapitre seulement de cet évangile de Jean. Il y aura, dans le même évangile, deux autres moments où l'on verra Nicodème. Et c'est tout comme ici, au troisième chapitre, à l'occasion des fêtes de la Pâque.
qui tiennent une place importante dans la tradition du peuple d'Israël. Et aujourd'hui encore, les fêtes de la Pâque, où l'on évoque la libération, le passage de la servitude à la liberté, de la mort à la vie, du cul-de-sac à un avenir. Donc, au chapitre 7, alors que les responsables des pharisiens sont en train d'ourdir un complot pour éliminer ce Jésus, ce Galiléen qui crée la sédition, eh bien, Nicodème prend sa défense. C'est bien sympathique, et il se fait renvoyer sur l'épive, comme on dit aujourd'hui. On lui pose la question, mais est-ce que tu es un Galiléen, toi aussi, pour que tu prennes sa défense ? Et les Galiléens étaient fort mal vus, des Juifs pieux, observants, pour la raison qu'ils habitaient dans cette partie du pays, et le mot Galilée signifie mélange, où, bien sûr, il y a des Hébreux du peuple élu, de la Sainte Alliance, si je puis dire, de la seule Alliance, mais il y a aussi des gens issus de populations et de cultures diverses, des étrangers, et il y a une espèce de mixité culturelle et spirituelle en Galilée. On est loin de la cité sainte qui est Jérusalem. Ça, c'est la deuxième fois que Nicodème apparaît dans l'Évangile. Et la troisième fois, ce sera encore à l'issue de certaines fêtes de la Pâque, mais après la crucifixion de Jésus, lorsque Joseph d'Arimathie prend sur lui de récupérer le corps du Christ pour rendre hommage à celui qui était là, eh bien, Nicodème se joint à lui et amène une grande quantité d'une substance qui servait à conserver les corps, et donc fait un acte généreux et pieux. Mais ici, dans cette rencontre nocturne, il y a des choses étonnantes. Donc Nicodème commence par une espèce de compliment. « Maître, nous savons que tu viens de la part de Dieu. » Et Jésus répond complètement à côté. Il ne dit pas oui ou non, il ne commente pas cette affirmation de Nicodème, mais amène un autre élément. Et puis, c'est peut-être du patois de Canaan, lorsque on a une répétition, en vérité, amen, amen, mais cela signifie que c'est important. Vraiment, 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 je te dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Je me rappelle la fin des années 70, où ce motif d'une autre naissance était chanté de façon très évangélique, avec force guitare, « Redeviens un bébé » ou bien « Il faut naître de nouveau » ta 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 ta. Ah, voilà, voilà. On se souvient.
Apparemment, c'est quelque chose que l'on chante encore dans certaines circonstances. Eh bien, je ne suis pas sûr que cela soit ce qui est dit ici. Parce que la petite expression « de nouveau » en grec, c'est un petit mot, « anothen », d'en haut. D'en haut et de nouveau, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle il y a une espèce de malentendu. Parce que d'abord, Jésus dit « à moi de naître de nouveau », traduction œcuménique de la Bible, excellente. Et puis, un peu après, il dit « naître d'en haut ». Alors, le haut et le bas. Et puis, le bas et le haut. J'ai beaucoup fréquenté, par ses livres, la psychanalyste Marie Balmary, que j'ai eu d'ailleurs à l'occasion d'une conférence à la Fusterie, l'occasion de rencontrer une personne admirable qui a approché les textes bibliques pour les questionner sous l'angle de la psychanalyse. Et c'est vraiment très intéressant. On lui a reproché, chez les psychanalystes, chez les psys, de faire de la théologie, et chez les théologiens d'amener M. Freud dans les évangiles. Mais rien de tel. Ce sont de mauvais procès. J'aimerais plaider un peu pour son approche et son interprétation de en haut, naissance d'en haut, naissance d'en bas. Une autre naissance, ce qui signifie que la première naissance physiologique, naturelle, qui fait que nous existons, eh bien nous le devons, à ce que la nature et probablement le Créateur a voulu pour tout mammifère, à savoir une naissance, mais par le bas du corps de notre mère. Maintenant, il est question d'une naissance par le haut. Alors on remonte vers le haut du corps, la tête, et puis il ne nous a pas échappé que Jésus a dit « Vraiment, vraiment, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors hier soir, à 22h, encore une petite recherche par Internet, cette naissance d'eau et d'esprit, alors naturellement, selon le... Alors, est-ce Wikipédia ou bien un site évangélique ou catholique traditionnel? Eh bien, c'est le baptême. C'est le baptême. Mais est-ce qu'on ne va pas chercher un petit peu dans ce que les croyants ont créé comme rite? Quelque chose que l'Évangile nous propose peut-être de beaucoup plus simple. Cherchons la simplicité. Où y a-t-il de l'eau et de l'esprit ? J'ouvre ma bouche, il y a de l'eau, de la salive, il y a le souffle de notre respiration. Cela symbolise eau et esprit, la parole et l'esprit
Le souffle, c'est l'esprit avec un petit ou un grand E. L'eau, c'est ce qui est à, c'est ce qui est la condition de toute vie sur cette terre, mais aussi symboliquement tellement de choses. La vie et peut-être aussi la mort, la possibilité de se noyer. On peut se noyer dans sa baignoire ou sous sa douche, je ne sais pas. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau en bas de la cuve et un étourdissement. Mais restons plutôt avec le propos de Jean. Il vous faut naître d'en haut. Nous ne sommes pas, avec ces paroles, naître d'en haut de nouveau, d'eau et d'esprit. Nous ne sommes pas des illuminés qui pensent que, d'une certaine manière, il faut avoir fait l'expérience de... Alors c'est très en vogue outre-Atlantique, c'est très bien sur une carte de visite d'être un born again. Ne sommes-nous pas tous nés une seconde fois? Et peut-être chaque jour et de façon répétée, d'eau et d'esprit, de moments non pas éblouissants, mais de moments tout simples, où quelque chose d'inexprimable, d'ineffable, ce que pendant les années Covid, j'ai appelé le sublime éphémère, vient nous effleurer. Le sublime, ce que nous ne pouvons pas exprimer par des mots, par des raisonnements, ce que nous ne pouvons pas mettre dans des définitions, mais quelque chose que l'on ressent, que l'on pressent devant un sens infini, un moment de vérité, un éblouissement, peut-être devant une réalité toute simple, un moment de partage, une parole qui aide, qui relève, une stimulation. Le sublime ordinaire. Éphémère, mais ordinaire aussi. Nous sommes éphémères, le sublime dure. Nous pouvons compter sur le sublime, nous pouvons compter sur l'esprit. C'est lui qui guide nos vies et qui nous enjoint peut-être à partager, à porter plus loin que nous quelque chose de tout simple, mais qui sera peut-être sublime au moment de la rencontre. Dans un instant, c'est le partage du pain et des coupes, signe puissant, signe d'une vie. La vie même de Dieu, infusée dans l'existence du monde et dans nos existences, dans nos vies. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
De cela, il ne faut pas douter. Le monde qui nous entoure, avec ses difficultés, avec les peines et les questions qu'il nous pose, est un monde sauvé, d'ores et déjà. Et c'est à nous, chrétiens, d'être les porteurs de ce message. Amen. Nous arrivons au moment des annonces. Normalement, elles devraient figurer là, à part une indication concernant l'invitation à la scène. Eh bien, je ne lis rien de particulier concernant la vie de la paroisse ou de l'église ici. Il y a ce soir un culte à la chapelle de Champel à 20h30, présidé par François Roux. Et pour les prochains dimanches, je ne sais pas. Je pense que vous avez les journaux de paroisse ou bien des emails vous indiquant la suite des choses. Des remerciements pour l'accueil. C'est agréable, quand on arrive tôt dans une paroisse, de trouver des gens souriants, avenants, et qui ont déjà tout préparé, qui ont fait les finitions juste avant de commencer le culte. Merci donc à Françoise Gault pour la lecture de cette page de Jean, à Daniel Bess et à Sylvia Fabiani, et puis bien sûr un immense merci à Norberto Boggini, à l'orgue, au clavecin, à tous les instruments. Là il y a un trombone, mais je ne pense pas que Norberto joue du trombone, n'est-ce pas cher ami? Cela viendra peut-être un jour. Avant de demander à Dieu sa bénédiction, je vous propose de chanter un dernier cantique, 145. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur.
accompagne aujourd'hui, demain et toujours.